Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Les petits potes, aujourd'hui on rigole mais on a envie d'ouvrir des packs nous hein. Alors pack opening les gars, on a 27 packs en boutique comme vous pouvez le constater. 27 packs en boutique qui correspond un petit peu à tous les SBC qu'on a fait joueur rare noté 80+, et on va encore en faire bien évidemment avec les doublons. Je vais vous montrer vite fait dans nos favoris, on n'est pas loin. Voilà, c'est ici, c'est le celui-ci, renfort à métamorphosie. Il nous manque encore une dizaine pour avoir tous les objectifs faits et récupérer un gros pack. À la fin de ce pack opening aussi les amis, on a deux objectifs remplis. On peut récupérer le pack ici 30 joueurs 84+, c'est assez énorme, et ici encore un pack de joueurs 85 qu'on ouvrira à la fin. Donc franchement on est plutôt content et on espère packer du lourd. Donc on commence bien sûr avec les petits player picks et puis les petits packs qu'on a, en allant crescendo, monter, et pourquoi pas aller chercher un truc de fou. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pourquoi pas un petit Anthony Martial, tiens. Je sens qu'il va y avoir un gros truc aujourd'hui. Écoute, on espère, hein. Donc voilà, chaque fois qu'on a un joueur comme ça, on les balance dans les défis création d'équipe. En priorité, on fait celui-ci parce que on a besoin de terminer l'objectif. Ça va nous filer un gros joueur à balancer dans des SBC. Donc en vrai, on va pas se priver de ça. La carrière en ce moment, pas trop, parce que là, c'est vrai qu'on a repris un petit peu goût à faire nos défis, nos objectifs et tout, etc. Et à essayer de paquer du lourd. Mais on y retournera de toute façon. C'est sûr, il y a toujours de toute façon un moment où fut on va de nouveau s'en relasser un peu. Yop, c'est quoi, j'ai une question, tu restes sur kick définitif? Alors, il n'y aura pas eu de live sur Twitch pendant en tout cas un mois ou deux. Après, pas fermé de revenir, mais franchement, je m'y sens bien. Je me sens bien sur kick, franchement, ça se passe bien, c'est cool. Oh, brésilien, DC. Ah, c'est souvent... Ah non, Marquinhos, pardon. J'étais mauvaise langue, je pensais que ça allait être le petit Thiago Silva. Allez, donnez un petit joueur une fois, eSport, s'il vous plaît. Allez, quoi. On n'a pas vidé tous nos joueurs pour packer à chaque fois les mêmes qui sont pas ouf. Vous pouvez le faire, les gars. Par contre, vraiment, ils ont pas voulu nous donner des trucs, hein. Ils ont vraiment pas voulu lâcher des joueurs, là, dans ce SBC. Heureusement qu'on a des gros packs qui arrivent après, hein. Je pensais parce qu'on a des gros packs qui arrivent après, ils savent qu'ils vont nous ralasser. On arrive bientôt à la fin des packs rares notés 80+, hein. trap, c'est bien. Oh, ça c'est un beau pack, tu vois. Même ce genre de pack là, je serais content, tu vois. Allez, le dernier deux joueurs noté 80+, et au final, on aura vraiment pas paqué des folies, hein. Et voilà, on récupère un pack joueur métamorphosé. Déjà, ça c'est cool. Pourquoi pas un petit Bruno. Et ici, on récupère un pack joueur TOTS aussi. Et bravo qu'on récupère, qui a l'air sans doute assez incroyable, hein. Il a une carte, le bougre. 5 étoiles de geste technique. Mais oui, hein. Mais oui. Maintenant, allons ouvrir les gros packs. Let's go. Donc là, les doublons, on les mettra dans les 82+, bien évidemment. Et si on a du 87+, on pourra faire le 84x10. Voilà le programme. Pack de joueurs 83+. Oh, animé, let's go. 87+. Let's go, Verratti, très bien. Ça, c'est bon, ça. Verratti, parfait. Allez, on continue. 3 joueurs 83. Ah, dommage. Ouais, chic 85. C'est ça. Et un petit coquet vendable. Let's go. Pack 2 joueurs 84+. Animé 87 ou plus, s'il te plaît. Ils m'ont donné pile poil la note qu'il fallait, les gars. Tout se goupille très très bien. Là, on va dans le défi création d'équipe, bien évidemment. 84 x 10, du coup. On va aller choper nos 87. On aura la note assez facilement. Équipe parfaite. C'est parti, les gars. Allez, pack 3 joueurs 84+. Animé encore, c'est cool. Allemand, MC... Nice, Kroos, comme souvent, mais 88, ça fait plaisir, hein, pour les SBC, bien évidemment. On prend avec un petit Vlahovic en doublon non vendable. Du coup, on va aller faire un autre petit SBC, les gars. Allez, deux petits player pick 82+. Moi, j'aime bien les player pick, perso. 84 ici, Hernandez. Bon, déjà d'une part, parce que tu peux choisir les non-doublons. Et je trouve, ça te file 3 joueurs, donc 3 possibilités éventuellement de packer un truc lourd. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ces SBC. Je préfère les player pick que les packs comme ça, quoi. Eh ben, les gars, un pack TOTS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un beau drapeau? Ouais? Non? NDI, solide. Mais bon, on va pas le jouer, le petit NDI, mais... 1,90 en plus à mettre dans un SBC, tu vois. Pack joueur métamorphosé, les gars. On affronte. Portugais. Côte d'Ivoire.
Ok, Eric Bailly métamorphosé, quelqu'un m'en a parlé, qui l'avait packé aussi, je pense pas que ça doit être dingue. Mais c'est un ancien de Manchester, on peut le voir comme ça en vrai, on peut le voir comme ça. 5 étoiles et mauvais pied, bon il a des belles stats, après c'est dommage parce que c'est vraiment un milieu centre que tu peux pas utiliser en frappe quoi. C'est ça le problème, mais non sinon il est sympa en vrai, il est sympa. Oh, en plus il va revenir de près ouais. Allez les gars, 10 joueurs 84 plus, on veut de la carte de couleur s'il vous plaît. Ah putain. Italien MC, oh là là, Verratti, dans un 84 fois, aïe, 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 c'est dur, c'est dur. Non, oh, j'avais oublié ce connerie là. Oh, j'avais oublié. Putain, mais mettez-les en explosion. Eh, sympa la carte en vrai, 5 étoiles de geste technique, bon le 4 étoiles mauvais pied fait mal, mais franchement, il a des stats le bougre. Et il peut jouer milieu-centre sans problème aussi hein, dans ton équipe. Ah oh ouais. Eh bah écoutez, une nouvelle icône à notre actif, Emmanuel Petit. Voilà, et en plus c'est pas le plus gros pack qu'on va ouvrir encore aujourd'hui. Hein. On est bien, hein. Franchement, pack une icône, c'est toujours énorme frérot. Allez, player pick. 84 bonus. Alors, là on arrive au moment assez fou. Pack de joueurs 85 déjà. Et derrière les gars, pack 30 joueurs 84. Oh là là, là ça va être une dingue. Là ça va être une dingue. Allez, on va déjà faire le 2 joueurs 85 plus les potes. Ok, c'est animé, c'est bien. C'est moins bien. Costa Rica 88. Navas, non c'est solide. C'est solide Navas, ça va. Double 88, c'est très bien. Très bien, on prend. Bon les gars, let's go, espérons de la chance. 30 fucking joueurs. Let's go. Ok, donc ça peut cacher, hein. On sait que ça peut cacher les gars. On va aller chercher une grosse note générale avec un 90 meilleur joueur hors rare. Donc du coup, il n'y aura pas de Messi, pas de Ronaldo, pas de trucs comme ça. Et du coup, maintenant, ben, ça sera éventuellement... Tu sais quoi, on va faire comme ça. Éventuellement, derrière le pack que c'est caché. Tac, comme ça, on va dévoiler petit à petit. Rediger doublon, possible, hein. Là, normalement, je suis allé tout au bout du pack. J'ai 4 doublons seulement. C'est pas énorme, hein. Il y a vraiment moyen d'avoir chopé des trucs cool, hein. Avec 4 doublons, il y a vraiment moyen. Alors, le premier doublon, c'est De Vrij. On a Canales, Bonucci, pas de gros joueurs en doublon, donc ça va, tu vois, c'est cool. Franchement, c'est cool. Maintenant, ça peut apparaître directement ici, je crois, les gars. Métamorphose, hein. Giroud qui tombe ici. Oh, c'est tout. Oh non, oh, c'est nul. J'ai que Giroud en carte spéciale dans un 84x30. Oh non, c'est pas ouf. Oh merde, je pensais que j'aurais plus. Après, Giroud DC, ouais, bon, il y a un monde, ouais, non, malheureusement. Giroud DC, tu vois, ça me fait moins kiffer, quoi. En vrai. Pas mauvais, Giroud. Ouais, mais tu vois, ça me fait moins kiffer le jouer défenseur, quoi. Ah ouais, du coup, on n'a pas eu de... Oh, dommage. Bon, on a rempli beaucoup de joueurs. Oh, ah, mais c'est dommage. Ah ouais, non, là, c'est dommage, quand même. Hein. On aurait pensé, éventuellement, à taper un petit peu plus fou, quand même. Hein. Ouais, il est pas ouf, le pack. Hein. Il est pas ouf, on est totalement d'accord. Oh, bah, écoutez, on peut pas non plus chater tout le temps. On a une icône, hein. N'oublions pas que, quand même, on a une icône. Bon, ça, c'est l'équipe défi qu'on a plus besoin, du coup. On a packé une icône, donc c'est plutôt cool. Putain, j'ai que des trucs... Je crois que c'était Last. Enfin, je sais même plus quelle équipe je joue. Faut vraiment que je refasse mes équipes. Ah là, c'était ça, un peu de base. Mais ouais, il va falloir... un petit peu réfléchir à qui on va jouer, qui on va pas jouer, etc. Mais bon, au moins, on a packé Emmanuel Petit. Et ça, ça fait plaisir. 95 de général, tout de même. Hein. On va pas négliger ça. Et ça peut être un bon joueur sur les côtés aussi, éventuellement, je pense. Mais où il serait le meilleur, je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Va falloir réfléchir, mais on se fera une petite équipe, en tout cas, en fonction.